Hey, salut les amis! Donc, j'avais dit dans la précédente vidéo sur la présentation du serveur que j'allais vous faire visiter le Sony Toussaint ou le Toussaint Sony, je sais plus dans l'ordre. Et du coup, bah, je vais vous faire la petite visite du bateau de Dixie. Alors, pour y aller, bah, il faut passer par le Nether parce que le problème c'est qu'il n'y a pas d'échelle pour monter. Alors, c'est parti! Hop. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, le Toussaint Sunny, c'est le bateau dans One Piece. C'est pas le Meridian? Attends, Toussaint Sunny, ouais, c'est bien ça. Alors, dans One Piece, il y a eu le premier bateau, le Meridian, ou je sais plus comment il s'appelle, le Mary Toussaint. Bon, je sais plus trop. Moi, j'aime bien One Piece, mais pas au point de tout connaître par cœur. Donc, nous arrivons dans la cale du bateau avec le portail du Nether énorme. Alors, je sais pas trop comment elle a fait ça. C'est des fleurs, on dirait des rouages. Et à moitié une Pokéball à l'intérieur, je sais pas trop quoi. Alors, voyons voir la décor, analysons ça. Alors, nous avons de la neige, des briques du Nether, de la. Qu'on s'appelle de la Nether Rock. Oh mince, on est trop peu, tiens. Ni vu ni connu. Donc, nous allons monter en haut. Alors, normalement, il doit y avoir d'autres pièces derrière, mais bon, j'irai pas creuser pour aller voir. Ou peut-être pas. Donc, nous montons. En tout cas, c'est assez rose en bas. Alors, hop, où sommes-nous là? Voilà, on peut plus monter. Hop, on arrive ici, ok. Hop, voilà, nous sortons par le bas du mât du bateau. Et là, nous avons des orangers dans One Piece de Nami. Alors, je crois que non, par ici, ça doit être la cuisine. Alors, on va voir. Alors, j'ai aucune idée de quoi ça peut être. Oh là! Ah oui, et je risque de me faire engueuler moi. Carrément. J'ai envie de dire. Vous avez rien vu, les amis. Donc, nous sommes ici dans une pièce. Je sais pas, j'aurais pensé la cuisine, mais non. Je sais pas trop c'est quoi. Alors là, c'est. Ah, c'est l'arrière du bateau. Ah, c'est peut-être les moteurs ici, non? Non, les moteurs sont de ton bas. Bah non, un bateau. D'ailleurs, il avance comment le. Je crois que c'est avec des coquillages. Aucune idée, franchement. Bon, bah. Non, franchement, je sais pas trop à quoi correspond cette salle. À vrai dire, j'ai pas trop visité le bateau. Je suis venu une fois parce que j'avais tiré à l'arc sur la tête ici, là, regardez. Et tout se casse, un truc de fou. Alors, j'étais venu réparer mes bêtises. Attends, je vais le mettre de côté comme il était. Allez, casse-toi. Voilà, c'est mieux. Hop. Ah! Ça fait peur. Donc, j'étais venu une fois pour réparer ça. Et puis, j'aimais bien aussi, avant que j'ai ma petite île flottante toute plate, là, comme certains disent, j'aimais bien monter en haut pour m'envoler. Mais là, on va pas s'envoler tout de suite. On va visiter le bateau. Alors ici, je sais pas trop c'est quoi, c'est un balcon. Ah tiens, une salle ici. Allons voir. Ouais. Ouais. D'accord, pourquoi pas, c'est vide. Alors, ah, mais là, c'est les canons pour tirer, boum. Ouais, non. C'est de la salle d'artillerie ici, je pense. Un truc comme ça, non. On va fermer la porte. Alors, bon, bah, on va changer de salle. On va aller voir. Mais alors ça c'est quoi? Ah, mais c'est le truc là pour faire avancer le bateau. Quoique on voit pas trop devant comment ça se passe avec le mât. On avance. Ouais, attention, iceberg devant. De quoi? Je vois rien. D'ailleurs, je crois que. Attends, les voiles sont de ce côté-là. Alors le mât. Normalement, il devrait être comme ça. Ah non, du coup, on est comme ça. Ouais. Ah oui, bah oui, bah, je suis bête. L'avant du bateau, il est ici. Hop. Voilà. Voilà l'avant du bateau.
Du coup, en fait, j'étais à l'envers, quel idiot. Alors, du coup, on avance comme ça, mais n'empêche, on voit toujours rien en face. Si on peut aller droit vers la lune. Alors, attendez, j'ai vu un petit truc ici, on va aller voir quand même, parce que j'ai eu l'autorisation de Dixie de visiter le bateau et le filmer. Oh, un coffre. C'est quoi? C'est un piège ou pas un piège? Il y a une échelle au moins pour remonter, ouais. Bon, ok, il n'y a rien. Dommage. Alors, ouais, c'est. Ouais, pourquoi pas. Bon, allez. J'ai vu de. Ouh, ah non, je suis tombé. On arrive où aussi? Ah, bah tiens. Ah non, c'est le haut du. En quoi ça sert ça? D'accord. Alors, je suis arrivé dans les sous-sols, pas les sous-sols, à vrai dire, mais le faux plafond du bateau. Alors, on s'est compris, non, on peut pas. Bon, par contre, je voudrais sortir, et ça va être pas gagné. Ah là là. Bon, on sort comment? Ah! Oh, je vais tout casser, moi, désolé. T'inquiète, Dixie, je répare mes bêtises. Ah, mais là je vais pas pouvoir. Je suis tombé où moi? Par où je suis tombé? Ah, ici. Comment je vais faire pour remonter? Là là. Je veux faire engueuler moi. Voilà, bon. Voilà, comme ça, tout est rentré dans l'ordre. Donc, on va aller visiter autre part, du coup. Aïe, je me suis fait mal là, c'est vrai. Alors, en haut, on n'a pas été visité. Tiens, j'ai laissé la porte ouverte, non? Donc, ah, passage ici. Bon, d'accord, ça remet au même endroit. Oh! Casse-toi! N'a pas m'embêter. Allez, hop, mouru. Donc, par ici. Nous Oula, j'étais un peu trop vite. Donc, par ici, nous arrivons. Ah, bah, c'est là la cuisine! Ah, ouais, avec un petit gâteau, des. Une hotte? Non, je sais pas, non, le frigo il est là. Ah, c'est marrant, d'accord. Donc, on va éviter de monter sur les meubles. Donc, un grand frigo, un petit frigo, des fours, placard avec des blocs derrière, d'accord. Bon, je suis pas expert en déco. Et Dexy, pas plus que moi. Non, bon, à vrai dire, j'ai pas trop fait de décoration chez moi. J'ose même pas vous faire voir. Alors nous arrivons. Ah bah, le petit lit à Dixie. Où est-ce qu'elle dort? Avec je sais pas, une table de chevet, je pense. Oula, on referme ça. Donc, alors plein de coffres. Mon lit sont vides. Ah non, il y a des fleurs. Donc, araignée ici. Hop, mourue. Meurt. Voilà. Hop. Alors, par ici. Ah, zombie! Mais c'est quoi cette invasion? On va mettre des torches, mais il y a des torches, ça Ah, attendez, je vois des tables d'enchantement là-haut. Oh! Serait-ce une pièce. Ah! Mais c'est quoi? Il y a des creepers. Bon, on va éviter de monter. Attends, c'est quoi ce piège? Casse pas! Ah! Ah, je prends feu! On va essayer de tuer le creeper sans faire exploser. Allez, mange. Bon, on va éviter. Bon, en tout cas, c'est une table d'enchantement là-haut. On va pas tenter, sinon je risque de me faire engueuler. Pour de vrai là. Ah mais c'est quoi cette invasion?
Alexis, il va falloir améliorer ton éclairage. Moi, veux monter là-haut. Oh là là. Sais pas si elle habite vraiment ici, à vrai dire. Mais je crois qu'elle a dû. Ah oui, non, elle s'est déplacée dans un biome, je crois, un biome champi où il n'y a pas de monstres. Et puis, si je crois qu'elle avait la flemme de mettre des torches. C'est peut-être pour ça qu'elle est partie dans un biome sans hostilité. Donc, ouais, voilà. Après, ah, si, attendez. Mais c'est quoi ça? Allez. Je voulais monter là-haut, mais du coup, comment je fais? Bon, on va pas se prendre la tête. Alors, je crois que c'est par ici. Oui, bah si l'échelle elle est là. Hop, on monte là-haut. Alors, un creeper encore là-bas. La vache. Heureusement que ça prend pas feu. J'aurais cramé le bateau de Dexy. Ah oui, là on a une belle vue, regardez, il y a des fleurs, des. C'est bien décoré, là-bas c'est chez Kalyan. Et ça a changé un petit peu. Ah c'est vrai que j'ai une cabane de pêche que j'avais fait là-bas, je crois que je l'ai toujours pas fini. Là, il y a énormément de trucs que j'ai commencé sur le serveur et que malheureusement j'ai pas trop le temps de tout faire. Alors, hop. On va se voler comme ça. D'accord. Ah non! Raté. Bon, tant pis. Ah bah voilà, il y a un accès ici. Tac! Comme ça, hop, le creeper fini. Pas d'autre. Hop, toi, tu meurs. Donc voilà, la table d'enchantement. Bon, Dixie, tu. Ah oui, bah non, si je mets des torches, ça va annuler. Bon, de toute façon, à mon avis, pour le peu qu'elle vient ici. Là-haut. Ah, nous avons. C'est moche. Bon, il faut pas fouiller dans les coffres, c'est pas bien. Donc, voilà, j'ai pu accéder à la salle. Après, non, l'intérieur, on peut pas monter là-haut. Pourquoi ici? Hop, voyons voir. Ah, mais c'est la cuisine. Bon, bah voilà, je pense que avoir fait le tour. Du bateau de Dexy avec pas mal d'aventures. Alors, je sais pas trop. Peut-être voir avec Kalyan, je vais lui demander pour la prochaine visite. Parce que c'est magnifique et puis il a énormément de choses à voir là-bas. Et puis je pense que ça pourrait durer un bon moment la visite chez Kalyan. Même moi, je connais pas tout, j'ai pas tout visité chez lui, à part sa salle, les coffres et quelques machines à récolter. Et puis normalement là-bas, il y a un autre truc aussi à visiter, mais je sais pas si c'est fini. Alors, je vais vous y emmener. D'ailleurs, la vidéo, je sais plus combien de temps elle dure, là, j'ai même plus le temps affiché. Donc, hop, je vais mettre mes selles. Et c'est parti! Ah non, j'ai raté. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Ici, c'est chez Iliador, donc oui, il s'appelle déjà. Ilionda. Bon, c'est pas très bien rempli aussi chez lui. J'ai l'impression que les gens font de la déco extérieure sans faire à l'intérieur. C'est quoi ça? Oh, un villageois. Il y a quoi à l'intérieur? Bon, d'accord. Donc ouais, je vous ferai la visite de chez Kalyan, je vais lui demander déjà avant. Alors vous pouvez voir là-bas qu'il y a la Iron Titan, je sais plus quoi. Ouais, c'est l'Iron Titan, je crois. Et c'est pas moi qui l'ai faite, c'est Kalyan et Lyanda qui l'ont fait. Oui, il y a une poule là-haut, d'accord. Bon, pour cette vidéo-là, ça s'arrête là. J'espère que la visite du bateau de Dexy vous a plu. Et puis New Sonic, ça me fait trop penser à Sonic. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis à la prochaine. Allez, bye!